Le nasik est un singe arboricole de la famille des Cercopithecidae endémique de l'île de Bornéo. Bien qu'il soit un singe asiatique, le nasik dont il existe deux sous-espèces appartient à la famille des Cercopithecidae. On le rencontre exclusivement à Bornéo dans les forêts littorales de mangroves ou le long des fleuves et des rivières. Le nasik est ainsi appelé en raison de son appendice nasal mou et plat. Le mâle aussi bien que la femelle sont pourvus de cet organe qui, chez le premier, atteint des proportions telles qu'il peut descendre jusqu'au-dessous du menton. Et plus le museau est long, plus celui qui en est pourvu a de chances de séduire les femelles. Selon une étude publiée en 2018, la taille du nez serait corrélée à celle des testicules. Le nez de la femelle est beaucoup plus discret que celui du mâle. Quand le nasik est agité, son nez devient rouge à cause d'un afflux de sang. Mis à part l'utilisation de son nez comme outil de séduction, il lui sert aussi comme caisse de résonance amplifiant ses cris et ne cesse de croître tout au long de sa vie. En moyenne, le nasik mesure de 62 à 75 cm, a une queue de 60 cm et pèse de 10 à 20 kg. Le nasik mâle mesure de 66 à 77 cm et peut peser de 16 à 24 kg. Sa queue mesure de 60 à 76 cm. Le nasik femelle est plus petit et mesure de 53 à 61 cm pour un poids de 7 à 11 kg et une queue de 55 à 70 cm. Le nasik est présent en Asie, sur l'île de Bornéo. Il se trouve dans les forêts à feuilles caduques tropicales, et plus précisément dans les forêts de mangroves près des eaux douces et dans les forêts tropicales humides de plaine. Les nasiks vivent en groupes flexibles de 10 à 30 individus. L'espèce est hautement menacée en raison du défrichement de la forêt côtière qui constitue leur habitat. Ses effectifs sont estimés entre 1000 et 3000 individus sauvages en 2010. En tant que folivore et frugivore saisonnier, le singe proboscis mange principalement des fruits et des feuilles. Il mange aussi des fleurs, des graines et des insectes dans une moindre mesure. Au moins 55 espèces végétales différentes sont consommées, les jeunes feuilles sont préférées aux feuilles matures et les fruits non mûrs sont préférés aux fruits mûrs. Étant un mangeur saisonnier, le singe proboscis mange principalement des fruits de janvier à mai et des feuilles principalement de juin à décembre. Les groupes dorment généralement dans des arbres adjacents. Les singes ont tendance à dormir près des rivières, si elles sont à proximité. Les singes proboscis commenceront la journée à chercher de la nourriture, puis se reposeront plus à l'intérieur des terres. Leurs activités quotidiennes consistent à se reposer, voyager, se nourrir et rester vigilants. Parfois, ils ruminent pour permettre une digestion et une prise alimentaire plus efficaces. À l'approche de la nuit, les singes reculent près de la rivière et se nourrissent à nouveau. Les prédateurs du singe proboscis comprennent les crocodiliens, vraisemblablement les faux-gariales et les crocodiles marins, la panthère nébuleuse de la sonde, les ours malais et les pitons réticulés ainsi que, pour les singes probablement jeunes ou maladifs, aigles, grands hiboux et varans. Les singes traverseront des fleuves aux étroits ou traverseront Arborealis si possible. Cela peut servir à éviter les prédateurs.
les femelles deviennent sexuellement matures à l'âge de 5 ans. Ils éprouvent un gonflement sexuel, ce qui implique que les organes génitaux deviennent roses ou rougis. Sur un site, les accouplements ont lieu en grande partie entre février et novembre, tandis que les naissances ont lieu entre mars et mai. Les copulations ont tendance à durer une demi-minute. Le mâle saisira la femelle par les chevilles ou le torse et la montera par derrière. Les deux sexes encourageront l'accouplement, mais ils ne réussissent pas toujours. Lors de la sollicitation, les deux sexes feront la moue. De plus, les mâles vocalisent parfois et les femelles présentent leurs fesses et secouent la tête d'un côté à l'autre. Les couples qui s'accouplent sont parfois harcelés par les subadultes. Les singes proboscis peuvent également s'engager dans le montage sans but reproductif, comme le montage ludique et homosexuel, et les femelles tenteront d'initier la copulation même après avoir conçu. La gestation dure généralement de 166 à 200 jours ou un peu plus. Les femelles ont tendance à accoucher la nuit ou tôt le matin. Les mères mangent ensuite le placenta et lèchent leur bébé pour les nettoyer. Les jeunes commencent à manger des aliments solides à 6 semaines et sont sevrés à 7 mois. Le nez d'un jeune mâle pousse lentement jusqu'à l'âge adulte. La mère permettra aux autres membres de son groupe de tenir son bébé. Quand un mâle résidant dans un groupe d'un seul mâle est remplacé, les bébés sont en danger d'infanticide. Son statut de protection est en danger selon l'UICN et il est classé en annexe I de la CITE. L'espèce est très menacée tant par la chasse que par la destruction de son habitat, notamment des mangroves. La population des nasiques était estimée à moins de 7000 individus en 2007. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.